La CNR est une société atypique en France puisqu'elle est la seule à avoir la gestion complète d'un fleuve. Et je crois la seule aujourd'hui à être un peu plus moitié public que moitié privé. Il est à la fois extrêmement important que le premier barrage et le 19e barrage, puisque nous avons 19 ouvrages sur le Rhône, soient pilotés dans un lieu, je dirais, unique, qui est l'opérateur unique. Et très important aussi que les élus qui sont situés entre ces barrages, les territoires qui sont traversés par le fleuve, puissent avoir un seul interlocuteur. C'est le cas à la CNR et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'appuie sur cet exemple. Mais le jeu de la remise en concurrence veut dire qu'on pourrait avoir plusieurs opérateurs demain sur un même fleuve. Et là, ce n'est pas possible. Parce qu'en termes de sûreté, en termes de cohérence, en termes de circulation de l'information, il faut que ça soit le même opérateur qui soit tout le long d'une vallée ou d'un fleuve. L'aménagement du territoire français, on va se pencher plutôt au nord-ouest. Hein.